Coucou tout le monde! Alors je suis un petit peu malade, mais je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir la Beautiful Box du mois de décembre. Je l'ai reçue il y a 2 jours, elle est trop belle. Donc cette fois-ci elle est arrivée à temps. Je sais vraiment pas ce que mon facteur a fait le mois dernier, mais bon, c'est pas grave. Donc Primus va rester avec moi pour cette vidéo, oui. Alors donc ce mois-ci, elle est sous forme de cadeau, je la trouve super jolie, avec des petits minous. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ce mois-ci, je pense que je vais faire la vidéo en 2 parties. Donc la première partie sera la partie unboxing, où je vous ouvre, où j'ouvre la box devant vous, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et la deuxième partie, ce sera juste le tutoriel, parce que du coup pour le mois dernier la vidéo était un peu longue, je trouve. Donc voilà, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui veulent juste voir le maquillage, donc je vais faire ça en 2 parties. Alors c'est parti, j'ouvre tout de suite ma box. Waouh, il y a des choses trop belles. Alors par quoi je commence? Je vais commencer par le petit pochon. Donc cette fois-ci il est noir, transparent. Alors nous avons dans le pochon un mascara noir de chez Beautiful. Moi j'en ai déjà eu un marron dans la première que j'avais eue. Et franchement ils sont bien, je trouve, les mascaras Beautiful. En fait ils font des super longs cils et ça fait pas de paquet, donc c'est vraiment bien. Du coup j'en avais pas de noir, donc c'est cool. Ensuite, je suis désolée, j'ai la voix toute bizarre, mais je suis malade depuis une semaine presque et je voulais pas attendre pour faire la vidéo quand même, parce que j'ai plein de choses à faire aussi. Bon, alors ça c'est une lingette démaquillante, c'est trop bizarre. One napkin go. Apparemment il faut appuyer au centre et ça ferait sortir une lingette démaquillante. Je ne sais pas, il y en a 2, c'est très bizarre. Il y a du liquide à l'intérieur, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Ensuite on a du maquillage essence. Qu'est-ce que c'est? Light your face. Ah, c'est une palette luminizer. Elle a l'air bien. Il y a donc 3 couleurs. Un highlighter nude, un highlighter rosé et un highlighter golden beige. C'est cool. Moi j'ai acheté la palette... elle s'appelle Strobe of Genius de NYX, elle est vraiment bien, mais elle est un peu grosse, alors que celle-ci elle est vraiment plus petite, donc pour transporter partout je pense que celle-là ce sera vraiment cool. Tout pour le pochon. Ensuite on a un vernis de la marque Beautiful, donc transparent avec des paillettes dorées pour Noël, donc c'est cool. Il a l'air vraiment joli. Ensuite on a de Beautiful, apparemment c'est du fard à paupières Golden Black. Alors, ah oui d'accord, c'est sympa, ils ont fait Frimousse qui gratte mon placard. Ils ont fait un fard à paupières en 2, donc avec du noir à paillettes et du doré, ça c'est cool.
pensais bien qu'il y aurait un phare doré pour Noël quand même. Donc c'est sympa. C'est dommage juste qu'ils aient pas mis de rouge à lèvres. J'aurais pensé qu'ils mettraient un rouge à lèvres rouge pour Noël. Mais tant pis. Ensuite, on a un deuxième petit pochon avec un bracelet. Il est joli, il est réglable en plus, donc. Hop, moi j'ai un poignet de bébé. Ouais, il est tout simple, j'aime bien. Et comme d'habitude, on a des tatouages temporaires. Donc ce mois-ci, ils sont tous dorés. Ils sont vraiment jolis, j'aime bien. J'aime bien celui-là. Je pensais qu'il y aurait quand même plus de choses dans la Beautiful Box de Noël parce que celle du mois dernier me semblait un peu plus fournie, mais c'est pas grave, il y a quand même des bons produits, donc je vais pas trop rechigner. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. Donc, je vais passer au tuto maquillage dans une deuxième vidéo, donc je vous invite à aller la regarder.